Le train encore là? Ah non, le train est tombé. Ok. C'est bon. Je pensais que le train est encore là, je te voyais là. Donc, le train est tombé. Dans le trou. Et voilà. Eliol 3.0. Activez le réacteur pour lancer la production d'énergie. Quoi, mon personnage est comme ça tout d'un coup? C'est un gaz ou quoi? Voyons, tabarnak, je suis mort! Je pense qu'il y a une fuite de gaz. Et c'est que lui, il faut qu'il reste là. Je peux-tu courir jusqu'à là? D'habitude, je verrais quelque chose de jaune et là, je vois... Calisse. Là, je vois rien. Je pense que... Voyons donc! Réacteur actif. Initialisation de la production d'énergie. Il y a une porte qui s'est ouverte là. J'avais pour dire ce que je vois, mais on va pas aller... On va aller voyer notre pantin voir. Bon, il y a des escaliers. Là, je vais monter les escaliers. Ça a rien de monter... Ah, contrôle BMAP, ok. Faut-tu bien rester dans les ombrages? Ça tourne! Et là, je me demande, faut pas...
Ouais, parce que tantôt, je l'ai juste su random. Je me demande s'il y a des ambrages que j'ai pas vus dans le plancher. On commence du début, c'est le fun. On dirait que je suis correct dans la... dans l'ambrage. C'est ça, c'est la lumière qui fait ça. Bon. Ok. Non, là, il tourne, fait qu'il faut que je tourne avec cette cochonnerie-là. Hostie. Tu es déjà mort? Je suis déjà mort, zut. J'essaie de rattraper une affaire au lieu de juste le suivre. Lapin crétin. Oh, c'est tabarnak! Je suis encore vivant? Non, je suis cuit, esti. Salut, Dizzy. Putain, je comprends rien. J'ai peut-être pas ma lampe de poche dessus. Salut Daisy. Je suis mort comme un pourri ce fois-là. Bon, j'ai pas de lampe de poche tantôt, on va l'allumer là.
Surcharge de la MPT. Intégrité du système, 90%. J'ai de là, ça là. T'es voyant quelque chose que je vois pas? Excusez-les. J'ai bloqué. Putain. J'arrive pas à utiliser ma soudeuse. Ah. Bon, j'utilise pas le bon bouton. Ah, pas d'oxygène. Bon. Tabarnak, qu'est-ce que c'était ça? Je comprends quoi c'était. Il n'y a pas. Bang! Esti!
Bon, lui passe, c'est pour ça qu'il y en a un autre qui passe direct, je pense, hein? Ah, il arrive vite. Puis après ça, j'ai du temps pour y aller un peu. Combien de temps j'ai? Une, deux, trois, quatre. Pow! Je suis mort! Un, deux, tabarnak! Comment tu veux que je fasse ça? Un, t'appuies pas le bon bouton. Déjà là, ça va pas bien. Je pense que je peux le faire là. Je peux le faire de loin, c'est bon. C'est que j'ai plus de gaz, esti. En train de manquer d'oxygène, esti de retardé, j'ai oublié ce parti là. Si j'appuierais le bon bouton, des fois ça marcherait bien. Ça marcherait mieux. Course, loser! 18, 17, 15, 12, 10, 9, 8. De l'oxygène! De l'oxygène! Et sauvegarde. Pourquoi tu m'as envoyé 7 encore, là? Et je comprends pas, je suppose aller où. Je vois qu'on pourrait sauter là. Mais le but, c'est quoi? Que je monte en haut? Je monte comment? Parce que là, je vois que je peux sauter sur la plateforme de là à l'autre porte. Je vais toujours pas marcher là-dessus. Là. Et tes pieds, t'en fais rien avec tes pieds. Un peu, quand c'est un tout petit peu, tu mets c'est PEU. Quand tu peux être une quantité, une petite quantité. Peu. Ça se quantifie. Nice timing. Y'a-tu une fucking de gris en avant de moi? Oh, y'a une gris! Oh, le but c'est de... Non, le but c'est de se rendre là-bas! Et de sauter par-dessus à chaque fois! C'est juste ça, cette petite caboche, hein. Mon Dieu, c'était dur!
sûr. As-tu fini le jeu, toi, ou quoi? Ben, donne pas ton opinion! Ok, faut aller par là. Ah, nice! C'est beau ça, j'aimais ça. Une partie qui va me faire chier. Si j'haïs ça, ces affaires-là. Excusez. Ah, si tu sautes dans le poteau après. Nye! Ok. Est-ce que tu sais quand tu sais pas quoi faire, quand t'es pas sûr? Pas ton robot. Tant qu'à aller à une place pis pas être certain ce que je vais aller, là. 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 Allez, monte-toi, monte plus haut. Bon, c'est jusqu'à là que je dois aller. Une step. Deux. Bon, je sais plus comment qu'il y a dedans, en tout cas. Il y en a trop. Ah! Puis, oh, maudit lapin crétin! Je viens de comprendre, putain! Il y a Nook qui bouge parce que ce sont les... Putain, j'étais sur la dernière. Parce que c'est une plateforme qui lève et qui descend, hey, là, je pense. Ouais, c'est ça, là. Je l'ai pas vu, je viens de comprendre ça. T'as chauffe plus, mais tu te grouilles le cul. Petit enfant. Bastor, bienvenue à la tribu du Caribouquin. Bastos! Bienvenue dans la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Je connaissais la Bastos avant. C'est là les plateformes d'école. Pas si compliqué, c'est hein, que faut pas t'oublier qu'à l'école. Ah yeah, bébé! Et c'est moi, j'ai mon plus de. Surcharge de la MPC. Intégrité du système, 60%. 60%. Et tu regardes quand pour Scotty? J'ai commencé la dernière fois. Bonne idée de me faire mander en France. Ce serait de faire une étape aujourd'hui, tu pourrais regarder avec moi. Veuillez aligner la MPT pour reprendre la transmission et limiter la pression.
Aligner la MPT, je fais comment, moi? Vois rien, tabarnak! Surcharge de la MPT. Intégrité du système, 40%. Vois rien. Là, il y avait une porte là. Surcharge de la MPT. Intégrité du système, 30%. Après une minute et demie de trouver la porte. Colis! Ok, faut que je le tienne dedans, ensuite il est trop tard. Ok, je viens de comprendre. C'est tout le temps des affaires. Non, t'es en train de... Tu vas le revoir, qu'est-ce qui t'a manqué. Surcharge de la MPT. Intégrité du système, 50%. Veuillez aligner la MPT pour reprendre la transmission et limiter la pression. Tout à l'heure, ça m'a pris une minute de trouver la porte. Là, je sais où aller. Là. Surcharge de la MPT. Mais là, il y a eu une explosion là, là-dedans. C'est pour ça qu'elle est blessée. Surcharge. Mais là, il faut qu'elle s'en va enlever la surcharge. En alignant le satellite. Tout à l'heure, j'avais 30 secondes. Là, j'ai une minute. Plus d'une minute pour aligner. Let's go! Non, il a sorti! Reviens! Connexion avec la Terre établie.
Une vidéo, une cinématique! Oubliez pas qu'on avait trouvé une façon d'alimenter la Terre. La seule façon d'alimenter la Terre en énergie était à partir de la Lune. Et de l'hélium. Imaginez le temps que ça a pris à créer tout ça. Directement envoyé vers la planète Terre. Les mecs qui reçoivent le rayon, ça va être... Elle a réussi! Elle a réussi à elle seule! Ça veut dire que Sarah aurait réussi si elle ne s'avait pas fait tuer par Johansson. Oh. Tu sais, le rayon, comment il fait de tomber tout le temps à la bonne place? La Terre, elle est en rotation. Ça sent la fin, j'avoue. Encore un jeu de terminé, peut-être. Fortuna One, est-ce que c'est... J'arrive pas à le croire, nous en recevons. Nous recevons de l'énergie. La MPT est à nouveau active, elle transmet. Tous les systèmes fonctionnent, les niveaux de réception mondiaux montent en flèche. Vous avez réussi, Rolf. Vous nous avez sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait avec Sarah? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'il l'a sauvée? Est-ce qu'il l'a placée dans une espèce de vaisseau pour la congeler? Pas un vaisseau, mais... Est-ce que c'est Sarah qui a dans les mains? Est-ce que c'est sa fille? C'est qui qu'il y a dedans? Sarah Barker, signe vitaux stable. Il l'a sauvé avant de la placer là-dedans! Junto, elle aurait pu rester là-dedans des siècles, si tout dépendamment. Viennent sa lune, puis ils trouvent un être humain congelé, vivant. Il s'appelle Alex, le petit robot. C'est qu'Alex peut la remettre en vie. Elle est pas sûre de survivre. Je pense qu'elle va mourir. Ou il. Je pense que...
fait trop mal. Leur aventure est terminée. Sarah va continuer ça seule. Un jeu publié par Wire comme les fils, production. Mais finalement, il y avait trois portes ouvertes, puis j'ai jamais pu en ouvrir une. Fait, je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah non, c'est un autre jeu, ça. Le tremble de jeu. Et créé par Keoken Interactive. Triste fin. Ouais, je suis même pas sûr si le personnage, je me rappelle plus si c'est un homme ou une femme. C'est l'affaire. Et vu que la Terre a de l'énergie, maintenant ils vont pouvoir envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais vu qu'ils n'avaient plus d'énergie, ils pouvaient pas envoyer personne sur la Lune pour aller vérifier. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir y aller. Mais là, vu qu'ils reçoivent de l'énergie, probablement qu'ils vont se grouiller le cul et ils vont envoyer quelqu'un sur la Lune parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils connaissent un peu plus le système, ils savent qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il leur faut. Évidemment, mais qu'ils arrivent là, ils vont s'apercevoir pour être. C'est un peu magané, là. Il y a eu une explosion. Plus de base internationale. C'est une bonne idée, pareil, de penser que la Terre pouvait alimenter. Donc, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé en grande ligne. La Terre a été arrêtée d'aller. La Terre n'était plus alimentée en énergie. Et on ne savait pas pourquoi. Donc, on sait qui était sur la Lune. C'était l'élite les plus intelligents. Il y a un groupe qui a décidé, pour un projet qui s'appelait Outwar, d'abandonner la Terre et aller créer une nouvelle population ailleurs avec l'élite. Donc d'abandonner la Terre pour sauver l'humanité ou sauver la race humaine. Oh, les humains sont là. Ils sont venus sur la Terre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous pouvez venir vérifier à nouveau. Alex est là. C'est clair qui parle. En d'autres mots, la Terre est sauvée, et comme je vous avais dit, maintenant qu'ils avaient de l'énergie sur la Terre, ils pouvaient se rendre sur la Lune. Et voilà. Ils ont trouvé Sarah, mais ils ont trouvé aussi l'autre qui est morte. Vraiment, un peu magané dans son petit soute.
Donc là, on est en train de nous présenter toutes les personnes qui ont fait des voix dans des différentes langues. En francophone, je connais aucun nom. Il y avait quand même pas beaucoup de langues, hein? On est chanceux de l'avoir en français. Moi qui joue à la guitare là-dedans. Mais pas sûr qu'il y ait de la guitare, sûrement. C'est toi le piano? Oh, des playtesters, j'aurais pas mon nom là, sti. Tiens, pour ceux-là qui a des... lorsque vous avez les Kickstarter, pour ceux qui connaissent pas ça, vous pouvez avoir des jeux. Vous payez en moins cher, vous les avez en avance et tout. Donc, les Kickstarter, c'est tous ceux-là qui a payé. Et toutes les éditions, il y en a qui payent plus cher, donc quand il n'y en a pas beaucoup, il y en a qui a peut-être donné 5 000 $, tu sais, ça c'est des vrais qui veulent vraiment... Des fois c'est des créateurs, ça, qui aident les autres compagnies, sinon t'as des personnes, les early, ça c'est ceux-là qui a payé en avance, les premiers, ils ont peut-être payé... Là tu payes moins cher pour avoir un peu plus. Mais ça, il y a rien que certains. Puis souvent, il y a rien que, je sais pas moi, 100 packages pour cette affaire. Quand les 100 packages sont vendus, ben, t'as plus accès à ça. T'as d'autres packages, mais un peu plus cher. Warfax, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Ça fait super plaisir, ton follow. Oh yeah! Donc, ça permet d'avoir ton nom dans les crédits, mais aussi d'avoir un jeu pour moins cher. Souvent, tu vas avoir des affaires personnalisées, etc. Des fois, tu peux payer pour avoir les copies. Copies directement en plastique. Vous savez, hein, les jeux comme ça, si vous voulez avoir en boîtier, ça existe. Il y a des compagnies qui vous font, si vous voulez avoir les jeux sur Xbox ou PlayStation, ils vous les prennent, ils vous les mettent sur les CD et tout, et c'est légal. Il y a des compagnies, ils sont affiliés ensemble et vous pouvez avoir une vraie copie avec le livre et tout, des choses qui n'existaient pas à l'époque. Le manuel, ça, je mettrais pas ma main à couper, mais vous avez le boîtier et tout. Vous avez une copie CD.
Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnes que... dans les Kickstarter. Cependant, quand vous impliquez dans un Kickstarter, exemple, s'il y a un Kickstarter qui sort présentement au mois de mai, ben, ça se peut que vous allez pouvoir jouer... T'sais, le jeu, il est pas tout le temps développé, donc ça peut prendre un an avant que vous recevez la console. Donc c'est un investissement à long terme, non pas à court terme. Il y a quand même extrêmement de personnes qui les ont aidés dans leur mission. Je sais pas comment leur jeu coûtait à la base. Les crédits finissent rapidement. J'aimerais ça être celui qui a écrit tout ça. Moi. J'espère que c'était une liste copier-coller parce que ta barouette. N'as-tu des Michael? Je suis en original. Je pense qu'il y a une colonne de Michael. On est juste rendu dans les S. Ouais, il y a du monde. Tab. Ça, leur jeu est beau comme ça. J'ai des boules nous, qu'est-ce qu'ils voudraient être? Quoi? C'est un nouveau! Stop! Yeah! Il est chaud. On est dans l'été! Bien, on vient de terminer le jeu Délivrez-nous la Lune. Deliver us the Moon.
Oh, allez, je me sens quand ça fait ça. Donc ensuite, vous pouvez choisir. 11 sur 14, on parle de quoi? Ah, les bases de données fouillées pour les objets. Donc c'était tout pour cette aventure qui est terminée. Délivrez-nous la lune. Et donnez-moi la fortune !